Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va tester la démo de Lies of P sur la PlayStation 5. Alors, je pense pas que ça va être un jeu pour moi. Ça sent un petit peu trop le Souls-like pour moi, je pense. Mais j'avais envie de tester par moi-même et me faire mon propre avis. Parce que ça a l'air bien déjanté quand même. Ça me rappelle un petit peu le côté déjanté de Alice Retour au pays de la folie. Donc voilà, je voulais me faire mon avis. C'est parti. Donc Lies of P, hein, je vous rappelle, c'est un jeu sur l'univers de Pinocchio. Hein. Sauf que ça a l'air... Voilà, tout comme Alice, ils ont fait exploser le truc. Déjà, on n'est pas sur le petit Pinocchio de bois, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bras gauche. Bras droit, non? Non, juste bras gauche. Ah, there you are. I've been looking all over for you. Je sais pas ce que c'est. Ok, je sais pas ce que c'est. Ok, super. I see they got my name is Sophia. Please come to Hotel Crot, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Ah, ça c'est Jiminy? D'accord, c'est Jiminy. Let's get you out of there. Find something that might help. Ah, il faut que je trouve quelque chose d'utile. Streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. Ah. It'll be helpful on your way to the hotel. Alors. Équilibre. Destination Hotel Quad. Recommend escaping from this location. Alors ça fait un peu très bizarre la sensation. Je comprends pas trop le délire avec ce qu'il y a à gauche là. Le carré là. Restaurer mes PV. Ok. Ah.
l'ai fini avec le bras gauche. Je comprends pas le... Ah oui, d'accord, donc ça c'est pour me redonner de la vie. Par contre, la disqueuse, là... Pas compris. C'est un peu vite, quand même, hein. Faut une clé. Ok. Putain, je me suis trompé de touche. J'ai fait de la daube. Je me suis vraiment trompé de touche à tous les niveaux. Ça n'a... C'est pas du tout ce que je voulais faire. On roule. Ah, j'ai la fameuse roue. Ok. Putain, mais je comprends pas la roue. Je comprends pas la roue. Non, putain, je... Ah, putain, oui. En fait, l'action, je... Comme je joue que à des jeux où c'est carré, l'action, eh ben, je fais carré. Alors que c'est pas ça du tout pour taper. C'est R2. Oh là là, c'est catastrophique, ça, par contre. J'ai plus de vie. Hein. Ouais, j'ai plus de vie. Tu peux chercher, t'as plus de vie. Et là, je me suis fait... Je me suis fait avoir alors que... Enfin voilà, c'était vraiment parce que je me trompe de touche. C'est dommage. Alors, toi, tu fais quoi, là? Coup de grâce derrière. Ah, ça va être chaud. J'ai récupéré un peu de vie. Note de passager. Parce que je cherchais des clés. Ok. Putain! Je me trompe de touche! C'est fou ça! Oh là 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 là. J'arrête pas d'appuyer sur carré. C'est n'importe quoi. Je tape sur carré. C'est pas du tout la bonne touche. Qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à me faire à l'idée que R2 c'est pour taper. Je sais pas. C'est pas naturel pour moi R2. Punaise, c'est chiant. Ah ouais, il m'a remis loin en plus. Ah ça par contre, ça remet loin. Hein. Ah ouais, ça par contre, j'aime pas trop. Hein. Ok, en fait, on aspire un peu la vitalité, j'ai l'impression, de ces personnages qu'on tue. Je sais pas si vous avez vu, quand je tue quelqu'un, il y a une espèce de petit halo bleu qui va dans ma... Oh là là, ouais non, ça répond pas bien. Hein. Ouais, bon.
J'espère que ça sera patché parce que là, franchement, le L1, il était vraiment moche. Hein. Je peux pas courir non plus. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Ça commence à me saouler qu'il n'avance pas là. Faut que j'aille tout de suite là-haut. Oh putain! Parce que lui il m'a saoulé tout à l'heure. Je prends tout de suite parce que j'ai l'impression que je suis full. Mais quoi? Oh là là, hey, ça là, des fois il met un temps fou à ce. C'est vraiment. Ça répond pas bien, je trouve. Donc L1, sac supplémentaire. Quoi? Ok, peut-être. Je n'ai pas tout compris. Catalyseur de fable. Alors, on récupère plein de trucs, je sais pas trop ce que c'est. Notamment L1. J'ai plein de trucs que je fais pas là. Peut-être que j'essaye. Il y a des portes et des sièges partout dans Krat qui sont verrouillés par des appareils. Vous pouvez dévorer ces portes ou descendre des gisèles pour créer des raccourcis. Ok. Je prends note. Ok, il y a un gros truc là. Ça marche. Je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais, c'est. Ok. Bon bah on va l'utiliser hein, contre ce gros. Wesh. Oh bordel. Non, pas deux. Putain! Ok. Je vous l'ai dit, hein, ça sent le Souls qui va pas me plaire. Et moi, je trouve qu'en plus, il répond pas. Alors, c'est très joli, hein. Il n'y a pas. Oh putain, en plus, il te met à dash. Alors, ça, c'est mieux. Alors, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Faut que tu refasses 3 milliards de trucs là, c'est horrible. Je les ai déjà butés deux fois ces mecs là, c'est bon. C'est trop quoi, c'est ça que. C'est ça l'esprit de Dark Souls là, j'aime pas trop là. Ça c'est l'esprit Souls ça, il te fait refaire.
50 fois le même truc, c'est bon quoi. Et ouais, je suis sûr que c'est pas ouvert. Je vais aller voir, mais je suis sûr que c'est pas ouvert. Ah si, c'est ouvert. Ok. Je retourne le voir du coup. Alors. Frérot. Putain, j'ai pas le temps moi. Putain. Ouais bon, ça va me saouler. Ça va me dark saouler. Ça va me dark saouler. Voilà, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime pas. Je ne sais pas. Je sais pas gérer ce genre de mec. C'est horrible. C'est... On est en plein dedans là, c'est vraiment du Souls là. On veut te rendre des boss surcheatés là. Je sais pas ce qu'ils veulent prouver avec ce genre de jeu. Il n'y a même pas de dash. C'est de la course, hein, le rond, là. Il marque ruée, mais en fait, c'est juste de la course. Bon, ok. En plus, la hitbox, elle est chelou. Ah oui, c'est comme dans les Souls, tu récupères... ok. Ah oui, d'accord, c'est vraiment ça, quoi. Oh, il a fait un triple. Okay. Non, mais... Bon, moi, je vais... Vous avez vu. Moi, je vais pas insister parce que je vais finir par m'énerver. C'est typiquement le genre de jeu que je déteste. Qui sont compliqués pour rien, qui te rallongent la vie pour rien. Donc je vais pas insister parce que... Voilà, ça vous aura permis de voir. Franchement, ça a l'air très joli hein, pour les gens qui aiment le genre. C'est assez joli, hein. Y a rien à dire là-dessus. Ça répond bizarre, mais bon. J'ai envie de te dire... On est dans un Souls. Comme dans un Souls, on t'explique que dalle. Donc l'histoire de la roue là. Ça, je sais pas quoi ça sert. C'est ça le problème. Là on te parle de ruée, mais. Bon bah là, je sais pas pourquoi il se met à faire des plongeons. Parce que tout à l'heure il en faisait pas. Donc c'est très bizarre. Là, il y a des petits soucis de hitbox. Moi, je voulais faire le plein un peu de... L2 bras d'acier. Ok, attends. Je vais essayer L2. Ouais, vas-y. Mais... Ça marche pas. Oh, putain. Non, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Voilà. On n'a même pas joué 20 minutes que tu te retrouves face à un espèce de taré... te défonce la tronche, c'est typiquement pas le genre de jeu du tout pour moi, mais je le savais, mais voilà, je voulais vous présenter ça, si au cas où vous êtes passé à côté, je sais pas si c'est sorti, ou... non je crois pas que c'est sorti, je crois que ça va sortir, ça devrait sortir cette année, hein, normalement,
Maintenez pour une attaque chargée. D'accord, c'est maintenant qu'il te le dit. Voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé cette découverte. Moi, ça m'a conforté dans mon idée que c'est pas un jeu pour moi. Mais je sais qu'il y a des amateurs de ce type de jeu. Donc voilà, il faut tout essayer. J'ai voulu lui donner sa chance. Voilà, je sais que je vais économiser quelques sous en n'achetant pas ce jeu. Voilà. Si vous avez kiffé la découverte, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.